Selon Barack Obama, Israël n'a pas encore pris de décision sur une attaque contre l'Iran. Le régime des Mollahs inquiète de plus en plus l'État hébreu qui envisagerait des frappes contre les installations nucléaires prochainement. Les Américains parlent du mois d'avril. De son côté, le président américain aimerait se passer d'un nouveau conflit dans la région. Toute activité militaire supplémentaire dans le Golfe est perturbatrice et a un effet important sur nous, sur le prix du pétrole. Nous avons encore des troupes en Afghanistan qui jouxtent l'Iran, donc nous préférons la diplomatie. Nous allons continuer dans cette direction, mais toutes les options restent sur la table. J'ai été très clair, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et créer une course aux armements dans une région explosive. Barack Obama et Benjamin Netanyahou se rencontreront en mars. Selon certains analystes, Netanyahou pourrait agir fermement à l'égard de l'Iran et Obama n'oserait pas s'opposer par crainte de perdre le vote juif lors de la présidentielle de novembre.